Herr Mörzi min mor, dear. Herr Mörskur di kaupa. Fleok fagrar orar. Farrar rumi vikingum. Standa upi stafni. Stira dirim kneri. Hauras patil havnar. Hungva manu. Mörzi min mor, dear. Herr Mörskur di kaupa. Fleok fagrar orar. Farrar brumi vikingum. Standa upi stafni. Stira dirim kneri. Hauras patil havnar. Hungva manu. Nous arrivons à présent dans un lieu très emblématique de la Norvège, qui est le parc de Vigeland, avec ses statues qui vont représenter toutes les étapes de la vie, donc de la naissance jusqu'à la mort. Alors l'une des choses qui était plus étonnante en Norvège, c'était les toitures des maisons, parce qu'en fait ils utilisent des toitures végétalisées. C'est plusieurs couches de terre, enfin, tout ce qu'ils font pour faire pousser les plantes. Enfin, c'est un truc incroyable et en fait ça tient super bien quoi. C'est plus résistant que nos toitures avec des tuiles quoi, parce que là, ça dure 40 ou 50 ans quoi. Et en fait, c'est ultra écolo, quoi. C'était vraiment le truc le plus incroyable que j'ai vu, quoi. L'un des trucs les plus incroyables que j'ai vu de la Norvège, quoi. Les Norvégiens aussi, ils vont utiliser ce qu'on appelle des stabures, c'est-à-dire des petites maisons qui vont mettre ça à l'extérieur, qui vont être surtout en hauteur. Et dedans, ils vont mettre toute la nourriture pour qu'elle soit gardée pendant tout l'hiver, quoi. Back of my
my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than. Donc là, on quitte Trondheim pour aller vers la route des trolls. Alors, la route des trolls est très connue pour ces virages, ces 11 virages extrêmement difficiles à prendre. Et c'était, je me souviens que j'avais vraiment la trouille quand on était en car, parce qu'on voyait pas vraiment la route quoi dans le car, on voyait juste la falaise quoi, enfin, on voyait juste le trou, puis notre chauffeur il avançait comme s'il se passait rien quoi, puis ça me faisait flipper. Et nous voilà à Bergen qui fut la première capitale de la Norvège au XIIIe siècle. Et aujourd'hui, c'est l'une des principales villes de commerce en Norvège. À la fin du XIIIe siècle, Bergen est devenue la ville de l'office la plus au nord de la Ligue hanséatique. Ich war
schwingen in der Stille. Et nous voilà à présent dans un village viking qui a été reconstitué comme l'architecture de l'époque des vikings. Donc je vous laisse avec les images pour découvrir ce fameux village. Donc chaque commune avait environ 10 à 12 fermes et chacune de ces communes devait donc avoir un bateau comme ça. La crique, dans une maison comme ça, il y avait 25 à 30 personnes qui habitaient.